Chers web auditeurs, bonjour et bienvenue sur No Name TV, l'émission qui ne porte pas de nom. Je vous accueille aujourd'hui au bureau de la dissidence pour la mise en lumière de ce qui pourrait être considéré comme la plus grande erreur médicale du siècle dernier. La responsabilité exclusive du virus VIH dans le syndrome du sida. Des millions de morts, des millions de malades, un traitement médical vendu par millions pour un virus qui n'existe peut-être pas. D'éminents scientifiques et chercheurs, dont font partie d'ailleurs nos invités du jour, nous indiquent que tout ceci ne serait qu'une mystification et qu'en réalité, le virus VIH n'a jamais pu être isolé. Chers web auditeurs, pour vous, nous avons enquêté. Un ouvrage est très vite devenu incontournable, « Les 10 plus gros mensonges sur le sida ». Je convoque donc aujourd'hui au bureau de la dissidence les co-auteurs de ce livre, le professeur Étienne de Harven et le journaliste scientifique Jean-Claude Roussez. Messieurs, bonjour. 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 Monsieur de Harven, vous êtes docteur en médecine et étiez professeur émérite d'anatomie pathologique à l'Université de Toronto au Canada. Vous avez consacré presque toute votre carrière à l'étude des rétrovirus, au microscope électronique lié au cancer, au leucémie de souris, pardon, c'est bien ça ? Exact. Mes fiches ne me trahissent pas alors. Monsieur Roussez, vous êtes donc journaliste et auteur scientifique. Vous avez publié entre autres de nombreuses études relatives aux applications médicales des hautes technologies. C'est parfaitement exact. Alors messieurs, juste avant de revenir sur quelques-uns des plus gros mensonges sur le sida, je me permets sous votre contrôle de redéfinir des termes qui, à force d'être ressassés, se confondent ou perdent leur sens dans notre inconscient collectif. Commençons par rappeler qu'être atteint du sida, c'est avoir un système immunitaire très affaibli, au point de ne plus être en mesure de nous défendre contre un ensemble de maladies répertoriées, dites opportunes, parce qu'elles profitent donc de la chute de nos défenses naturelles. Oui. Et c'est le développement de ces maladies, donc cancer et autres infections, qui finit par entraîner la mort de la personne infectée. C'est bien cela ? Oui, tout à fait exact. Quant au VIH, ce virus, il serait le responsable de l'effondrement de notre système immunitaire en s'attaquant à l'un de ses composants essentiels, les lymphocytes T. Jusque-là, j'ai presque tout bon. Oui. Tout bon. Moyenne, tout bon. Et oui, j'aimerais finir par rappeler ce qu'est la séropositivité. Alors, on dit d'une personne qu'elle est séropositive lorsque l'on décèle dans son sang non pas la présence du virus VIH, mais celle des anticorps censés lutter contre cette infection. Alors, si j'ai tout bon, je peux vous poser la première question qui est, donc, monsieur de Harven, ce virus, observé ou pas observé ? Ce virus n'a jamais été observé directement en microscopie électronique. Dans le sang de patients dont on prétend qu'ils ont une charge virale élevée, par des techniques moléculaires extrêmement intéressantes, on affirme pouvoir identifier dans le sang de ces malades des séquences d'acides nucléiques qui correspondent au génome des rétrovirus. Mais il n'y a aucune corrélation entre ces données-là et l'échec total de tous les efforts qui furent développés pour tenter de démontrer des particules de rétrovirus dans le sang de ces malades-là. Donc le virus n'a jamais été trouvé dans un corps de malade du sida. Il n'a jamais été observé en microscopie électronique dans le sang de malades dont on prétend qu'ils ont une charge virale élevée. D'accord. C'est une affirmation que j'ai faite en Afrique du Sud, lors de cette grande conférence qu'avait convoquée le président Mbeki en 2000 et qui n'a jamais été contredite depuis. On a même à Londres offert un prix assez important à quiconque pourrait me prouver le contraire, et ce prix n'a jamais été réclamé. Très bien. Monsieur Roussez, comment s'est faite l'annonce de la découverte de ce virus ? Ah, écoutez, c'est une longue histoire. En fait, il faut remonter à 1972, donc 9 ans avant le début de ce qu'on peut appeler une épidémie. Le président Richard Nixon, à l'époque, avait déclaré la guerre contre le cancer. C'était son grand chantier. Et immédiatement, on a demandé au Congrès américain de débloquer des sommes colossales pour travailler dans la recherche contre le cancer. Mais à la condition que ces recherches soient effectuées uniquement sur les rétrovirus. C'est-à-dire un chercheur indépendant qui aurait cherché à trouver la véritable cause du cancer, celui-là, il était blackboulé,
il n'y en avait que pour les rétrovirus. Parce qu'on avait peut-être observé un lien entre ces rétrovirus et le cancer chez certaines... C'est parti, en fait, des recherches qui ont été faites par le professeur de Harvard, entre autres, enfin Charlotte Friend à New York, qui ont constaté qu'il y avait un certain rapport entre les cancers du poulet ou de la souris et les rétrovirus. Bien. En 1981, quand apparaissent les premiers cas de ce qui s'avérera être ensuite le sida, on a essayé de faire passer du cancer à une nouvelle maladie. Je m'explique. Oui. Les crédits colossaux qui ont été accordés aux chercheurs n'ont donné absolument aucun résultat. Après 9 ans donc de recherches totalement infructueuses, le public américain et le Sénat qui avaient allongé des millions. Les millions de dollars, évidemment. Et cette histoire de sida est tombée comme du pain béni et a permis même d'augmenter les subventions. Par rapport au cancer, on a multiplié les subventions. En 1981, il y a eu d'un seul coup plusieurs cas parmi les homosexuels des grandes villes qui avaient tous les mêmes maladies, les mêmes symptômes, c'est-à-dire notamment les deux maladies symptomatiques du sida, des premiers sida. Le sarcome de Kaposi, qui est une maladie, une espèce de cancer des vaisseaux sanguins. On peut rappeler à nos chers web auditeurs que ce sont les taches qu'on voit apparaître dans le film Street of Philadelphia, sur le personnage joué par Tom Hanks, qui a des taches rouges qui apparaissent sur sa nuque et un peu partout. Voilà. Et la deuxième maladie emblématique, c'était la pneumocystose, c'est-à-dire une pneumonie, apneumocystis carini, c'est le nom du microbe en question. Bon. Et plutôt que de voir ce qui était visible immédiatement, à savoir que ces maladies étaient dues à l'utilisation de drogues, et exclusivement de drogues, on a senti comme une bonne odeur passer. Oh là là, et si on pouvait transformer ça en maladie contagieuse? Et c'est comme ça que On a fait un lien d'opportunité avec un virus. Voilà, on a dit, tiens, ce serait pas mal un virus, parce que c'est pas très visible, c'est tout petit, personne n'ira y voir.